La France, à nouveau frappée par le terrorisme. Vendredi dernier, Stéphanie M., une fonctionnaire de police de 49 ans, est tuée de 2 coups de couteau dans l'entrée de son commissariat de Rambouillet. Un attentat qui devient dans la foulée très politique. Tout le week-end, l'opposition de droite a fustigé le gouvernement. On fait une guerre ou on ne fait pas une guerre ? Si on fait une guerre, on se donne les moyens de réussir. Moi, j'ai proposé notamment que pour tous les détenus, enfin, tous ceux qui sont condamnés pour terrorisme, pour les détenus, on puisse appliquer une peine de 50 ans. Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Il y a un lien entre le terrorisme et l'immigration, notamment l'immigration la plus récente. Il existe en France, au-delà de la pensée unique et de cette classe politique, des élus qui en ont marre de cette politique de laxisme et de lâcheté. Un procès en incompétence. Alors, l'auteur des faits aurait-il pu être repéré en amont ? Jamel Gorchen, un ressortissant tunisien de 36 ans. Arrivé en France en 2009, ce chauffeur-livreur se serait radicalisé l'automne dernier. Sur les réseaux sociaux, il commence à relayer des messages, et notamment après l'assassinat de Samuel Paty, comme ce texte. Musulmans, maintenant nous allons répondre aux abus de la France et de Macron à notre prophète Mohammed. Défendez votre prophète. Mais selon les enquêteurs, l'assaillant abattu lors de l'attaque n'aurait pas prêté allégeance à un groupe terroriste. Une radicalisation récente d'un homme qui souffrait aussi de failles psychologiques. L'acte d'un individu isolé. Nous déjouons beaucoup d'attentats, nous décelons beaucoup de groupes structurés, nous entravons beaucoup de menaces, mais il reste effectivement ces individus isolés qui sont porteurs de menaces, mais qui ne donnent rien à voir, qui sont très complètement inconnus des services de renseignement et qui sont donc très difficiles à suivre. Mais lorsque Marine Le Pen réagit dans les minutes qui suivent l'attaque vendredi dernier, c'est bien la politique du gouvernement qu'elle vise directement. Jamais les Français n'ont été autant encerclés par la délinquance et par la criminalité. Quand M. Macron choisit M. Dupond-Moretti, qui vient dire qu'il est le ministre des détenus, alors on a la tonalité de ce gouvernement. Ce gouvernement exprime lui-même et assume lui-même sa politique laxiste. Accusé d'être laxiste, l'exécutif qui présentera mercredi son projet de loi pour renforcer la lutte antiterroriste passe à l'offensive. L'islamisme demeure notre plus grand péril et notre main ne tremble pas. Démonstration de fermeté aussi sur les plateaux télé. Le porte-parole du gouvernement rend les coups aux adversaires. Je suis sidéré par certaines interventions qu'on a entendues à peine 2 heures après que l'attaque ait été commise. C'est-à-dire quand il y a encore une intervention sur la scène de crime, parfois quand les familles ne sont même pas encore informées. Vous appelez les vautours en disant que ça... Oui, il y a des réflexes que j'ai qualifiés de vautours. L'insécurité, enjeu de taille pour la majorité à 1 an de la présidentielle. Selon un sondage IFOP pour le JDD, 86% des personnes interrogées estiment que le sujet aura un poids important dans leur vote en 2022.